marchait. Une torture du roi Kouloud. Coupable. Oslav Pouillou. Motif, n'a pas dodeliné de la tête lorsque les cloches ont sonné pour annoncer les fribouilles de mai. Châtiment. Silence total, pas seulement la musique, mais aussi les chaises, mon voisin, la réverbération, j'ai cru à une défaillance, mon système auditif, jusqu'à ce que je vois tout interloquer les lèvres gottantes, mais muettes. C'est très étrange. Cela semble se passer principalement en les salles de fer. C'est assez inquiétant. Ange. L'intestin flûte, une torture du roi Kouloud. Châtiment. Solo d'organologiste. Après un rata de flageolet au café noir, on pratique une petite incision sous les côtes et on déroule l'intestin grêle hors du pauvre fauvel estomaqué. On déplie le viscère sur une longue rigole en profitant pour récupérer la mouche qu'on enterrera en grande pompe. L'organologiste attend le début de la digestion et entame un jeu complexe tout en pression, nœud et relâche. Ubiquité. Si une oreille pouvait être simultanément dans tous les endroits du monde et qu'elle n'écoutait que les sons des aigus de montre, elle n'entendrait qu'une masse sèche. En insérant dans le morphone différentes sources sonores ou musicales, on en obtient l'exact intermédiaire. Maintenant, c'est Pasakai Batucada. Les claquettes électriques. Une torture du roi Kouloud. Coupable. Akrexuk Favol. Un flipper serait probablement plus adapté à ce royal doigté que ce clavecin microtonal.